Et du coup, c'est parti pour découvrir Valais. Est-ce que ça va nous plaire ou pas? En tout cas, si le jeu se lance, ça sera déjà mieux que celui d'avant. Et Ah, super, connexion impossible. Ça commence bien. Tu veux pas de moi dans ta partie, c'est ça? si. Je n'en suis point sûre. Entrez le mot de passe. Mot de passe erroné. Pourquoi c'est moi qui dois créer les fiches? Bah, Pipou, je comprends pas, ils mettent mot de passe erroné. C'est pas le truc que tu m'as envoyé. Mais t'as quoi là? Tu veux me rejoindre? Bah, je me mets à se connecter et mettre mot de passe. Je dois mettre un mot de passe, du coup, je mets le truc que tu m'as Ah ouais, envoyé. non, mais c'est pas ça, Ah! Ça, je sais pas ce que c'est, mais je te l'ai envoyé au cas où. Ah! D'accord. Si tu me donnes pas le mot de passe, comment je trouve, moi? C'était justement la première quête. J'ai gagné? À ton avis, hein. Non. C'est licorne, mais voilà, Ah mais oui, t'as un code voilà. de partie piquée. Si, bah, si. Attends, pourquoi il y a tout un blabla là? Mais non, mais c'est bon, on m'a déjà raconté tout ça. Pendant des siècles, ce monde plongea dans un sommeil agité. Mais il ne mourut pas. Les ères glaciaires passèrent, des royaumes s'élevèrent et s'écroulèrent et échappèrent au regard des dieux. Quand Odin apprit que ses ennemis recouvraient leurs forces, il se tourna vers Midgard et envoya ses Valkyries sillonner les champs de bataille à la recherche des guerriers les plus valeureux. Une fois morts dans leur monde, ils renaîtraient à Valheim. Ha ha ha. Elle a dit ah ah ah. C'est quoi cette bête là? Tu vas faire du corbeau là? Oh, c'est pas un corbeau, c'est. C'est une Grosse bête. harpie, ça. C'est une grosse bête, ça peut pas. C'est une femme Grosse bête. corbeau, hein. Le jour où tu vois un corbeau comme ça à ta fenêtre, pars en courant. Je t'envoie un MP. Hein. Non, je viendrai pas. Ah, super. Par contre, fais une photo pour la guilde des ornithologues chevronnés de la région. C'est quand qu'on se pose là? Bientôt, bientôt. Sonny Noob. T'es toute mouillée, la honte. Bah nickel, j'aimerais ma compétence sauter. Ils repartent. Allez, fais-moi les câlins! Ta-da-ta, faut être de l'art synchronisé. Regarde ce que j'ai sorti de sous ma jupe! Oh, j'en reste des trucs, moi. Oui, moi je teste toutes les commandes que j'ai. Il faut parler au crobot. Hein. Ah, il est parti. Ok. Comment ça, objet manquant requis? J'apporte les nouvelles là. Comment on ramasse des trucs? Ouais, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour plus tard. Ah! Faut lire un peu. Comment on court? On peut courir? On court déjà par défaut. Shift pour courir.
Non, mais je veux dire, tu cours plus vite que ce que tu cours là. Ah, t'appuies sur Shift ou pas? Non, ça, c'est courir. Ça, c'est courir. C'est bon, j'ai trouvé. Oui, il y a le corbeau là, mais je peux pas lui parler. Ah si, waouh, compliqué de viser. Oui, il y a moi le corbeau. Du coup, je l'ai pas écouté avec. Ouah, j'ai du silex! Truc de foufou, hein. Oh, c'est terrible, le pointeur pour viser, il faut vraiment viser, hein. Faut pas jeter à côté d'un objet, quoi. Ah! Ah! Je me fais brûler! Ah, il faut les taper. Ah, j'ai que débloqué une compétence, j'ai amélioré ma compétence sans arme. Ouais. Regarde comme je suis cool comme. Eh. Je ramasse tout ce que je vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Marteau. Comment on craft? Tab. Ah, Y. Il faut du silex. Hache en pierre. Il me faut 5 bois, mais j'en ai que 3. Donc je trouve du bois pour... Je comprends pas comment on craft. Bah, à gauche, c'est ton inventaire. Ouais, mais après, comment on a des recettes et tout. À droite, tu vois, le panneau fabrication. Ouais. Bah, c'est là-dedans que tu craftes, ça. Oui, mais comment tu sais les recettes? Bah, tu cliques dessus. Sur quoi? Bah, sur les éléments. Fabrication, t'as quoi, t'as dans fabrication? Rien. Comment ça? Bah rien. Comment ça? Bah j'ai rien, j'ai juste fabrication puis c'est tout. Ouais, fais-moi un partage d'écran. T'as ramassé des choses, hein, des pierres, des cailloux. T'as rien ramassé toi, c'est pour ça. Quoi? T'as rien ramassé, c'est pour ça que t'as rien débloqué. J'ai des pierres, du silex, des pissenlits, des queues de mix. T'as pas de bois. Si t'as pas de bois, ça va rien débloquer. Et comment on ouvre ces vêtements? Pour ça. Ah. J'ai jeté mes vêtements par terre. Nickel. Alors franchement, parfait. Ah d'accord, c'est comme ça. D'accord. Voilà, là, il faut ramasser du bois. Bois. Ouais, tu petite branche. Je tape du être là, Manu. Wow. C'est bon, j'ai tué le bois. Je peux taper les petits arbres. Pas les gros, pas ceux qui ont un gros tronc. Si ça te met zéro dégâts, c'est que tu fais rien. J'ai gagné 3000 niveaux. Je craft une hache en pierre, comme ça je pourrais te couper du bois si tu veux. Non, bah ça va, je vais en crafter une aussi. Ok. Je suis pas inassistée, hein. Non, c'est pas ce que je dis, attention. Il y a une meuf là, viens vers moi. Oui, c'est moi. Non, c'est pas toi ça. C'est quoi ça? C'est un monstre. Il y a un monstre. Bourgeon aigri, c'est ça? T'es où? Bah, bourgeon aigri, oui, c'est ça. T'es à côté de moi? Bon, je l'ai tué. J'ai eu de la résine. C'est bon, je l'ai tué. Joué. J'ai eu de la résine.
Tu vois pire? Non. Je sais pas si je suis près de toi. Je suis près du corbeau. Moi aussi. Je suis devant le corbeau. Non, en fait, le corbeau, il se met... il se met pour nous deux, de façon indépendante. Moi, je suis le long de la rivière. Vers des sangliers. Moi, je vais crafter. Je vais crafter une hache en pierre. Non, je peux pas. Un champ. Il te manque quoi pour la hache en pierre? Pas grand chose. Ok. Je fabrique un marteau d'abord. Ça serait bien qu'on se retrouve. Bah, je suis toujours pas très loin de l'eau. Moi, je suis pas parti super loin. Mais... J'avoue que je serais pas trop dire où je suis. Il y a une carte. T'es où? Pourquoi je te vois pas sur la carte? Comment on fait la carte? M? Je sais pas. Oui, c'est ça. Parce que moi je suis à la manette, je sais ping. Pas. J'ai ping un truc, tu vois ou pas? Ouais, je te vois. Ok. Là je suis pas là. Il me perturbe le raccourci à la manette pour courir, c'est... Je vais laisser enfoncer joystick droit. Mais souvent c'est plutôt le gauche. Pourquoi tu joues pas au clavier? Parce que j'ai pas envie. Pas plus simple, peut-être. Bon. Oh, je suis humide. Oh zut. Moi j'ai pas envie de jouer au clavier. Moi je suis vers le truc de départ là. Le sanctuaire du départ. Oh non, il y a encore un petit ch'tagalou. Tu l'as. Il va où là? Viens me battre. Tu peux pas fouiller. T'es où par rapport au cercle du départ, toi? Casse-toi. Au sud-ouest. Vers les montagnes, du coup. Non, dans la prairie. Ouais, tu regardes. T'as le truc de. Oui, je te vois, t'es sous là-bas, ok. Ah non, ça, ça veut dire des cours d'eau, d'accord, ok. Quoi? Non, sur la mini-carte, là, ça, ça veut dire. Attends. On sait que ça veut dire ça, mais ça veut pas dire ça. C'est bon, j'ai une hache. Nickel, moi je suis humide. En même temps, si tu vas dans la flotte, t'as. Oui, ça me rend humide. Pipo, il me faut des pierres et des bois. Ok. Je peux te passer des trucs ou pas, moi? Je pense juste que tout à l'heure, j'ai jeté mes vêtements par tiens. Terre. J'ai jeté des trucs par terre aussi. Tu t'as de la caillasse? Tu les as eu ou pas? Oui! Bah, si tu les as pas. Ça sert à rien que je te jette des trucs si tu les as pas. Mais attends, mais à part pas du coup. Me demande pas des trucs si tu pas. Ah, tiens, mais je te donne tout ce que j'ai. Il te faut du CX ou pas? Je sais pas, donne. Ouais, du coup, j'ai plus rien, moi. Viens, on va se trouver un endroit sympa pour s'installer. Tu veux t'installer où? Attends, je mange des trucs. Regarde comment je peux tendine. Oh, wow. Coco. On ne pouvait plus manger de framboises. Ouais, moi aussi, j'en ai mangé une et puis c'était fini. Toi. Torche. Bah viens, on continue l'exploration un peu. Là. Alors, si jamais j'ai vu dans les paramètres là, j'ai fait échappe, paramètres, graphisme, et j'avais oublié de limiter le nombre d'images par seconde.
Ouais. Du coup, ça faisait chauffer un peu le PC. Donc si tu veux t'éviter ça, n'hésite pas à le limiter à je sais pas combien de hertz t'as. Quoi ? C'est dans quoi ça ? Graphisme ? Paramètres, graphisme. Et je le limite à combien ? Ouais, ton écran c'est 144 je crois. Hein. Image par seconde. Donc 144. Bon, je peux mettre 145. Ouais. Moi, oui, il me semble, Osef. Moi, j'ai mis à 60 parce que mon écran c'est 60. Des armes. Ah, t'as une hache pour ça, pourquoi ? Oui. Je te voyais taper avec tes petits poings. Non. Hein. Oh, j'ai dans ta tête. Hein. Oh, bah non, non. Ouais, il se bat le tronc. Rien. Lui, on peut activer le fait de taper les gens. Ouais. Moi, j'ai enlevé parce que j'avais peur de me faire mal. J'ai peur que je te fasse mal. Oui, aussi. Mais bon, j'ai de la bébé chou là, j'ai plein de bébé chou pour toi. Je suis fou là, pour plus. Bon, enfin, un jeu qui me tente bien. Ah ouais? Non, je sais jamais, tu peux zoomer, dézoomer avec ta molette de souris. Oui, mais moi j'ai pas de molette. Oui, non, mais t'as une touche pour ça, je pense. Bah, en vrai, ça a l'air bien, mais je sais pas si, c'est... si ça me plairait longtemps, longtemps. Bon, je sais que moi je vais y jouer. À voir. Attention, on va être mouillé là. Hop, bah je crois. Ah bah non, je suis humide. Bah pas moi. J'aime pas être humide. J'entends les gens. Bête là-bas, mon pote. C'est un des boss bon. Je sais qu'il y a un truc avec trois premiers boss à faire. Non, ah non, pardon, c'est pas une. Avec des pierres devant cochon, je crois que je me rappelle pas même plus. Ça fait tellement longtemps que j'avais regardé. C'est un caillou. Moi j'ai envie qu'on se passe un petit camp. Ouais. Tu t'es fait un marteau ou pas? Ouais, puis c'est quoi le truc que j'ai fait? Oh, nickel. C'est juste que je sais pas où tu veux qu'on aille faire un... Bon, on va nager un petit peu et puis... Je me suis pris un caillou. Tiens, fais gaffe, tu perds la vie là. J'améliore ma compétence. Oui, on va se mettre un peu plus loin et puis on ira quelque part par là. Hein. Ouais. J'ai une bête. Il se casse. Ouais, j'avoue. Donc c'est qu'on peut se mettre pour être tranquille. Tu peux faire quoi avec ton marteau? Je peux faire un. Pour moi, un feu. Non, j'apporte des nouvelles. Et si vous allez vrai d'immenses salles et d'imposantes fortifications grâce à cet outil, ah. Le marteau. Commencez par bâtir une table de fabrication qui vous permettra ensuite de construire d'autres choses. Pas une table de fabrication. On se met où ? Bah, on est sur une plaine, hein. Ça pourrait être bien, non ? Parce que là, c'est tout parfait. Bah, bien sûr, on va continuer un peu par là. On va suivre la rivière. Il fait froid. Ok. Quand t'as froid, ça réduit ta régène d'endurance. Y'a pas beaucoup de plaines là. Je ne pas trop ce que je peux goûter moi.
Ouais, t'as tort en main, là. Ok. Non, je te retrouve. On est retombé sur un cours d'eau. Oui, je dis, il y a de la flotte partout. Tiens, on va aller là. J'ai faim. Toi, t'as des trucs à manger ou pas? Mange des framboises. Ou de la viande. Scrunch, crunch. Et où ton ping, je le vois plus. Tout droit. Sur la mini-map, tu vois qu'il n'y a plus de forêt là bientôt. Je l'aime pas. Oui, on va être bien là-haut. On va être bien ici. Bon bah voilà. On s'établit ici pour la nuit au moins. Et demain on en voit un petit peu comment c'est dans la zone. C'est quoi là-bas, c'est un puits? Peut-être. Je vais aller là-bas près de ce truc. C'est joli le ciel. Ouais. C'est quoi? Tiens, il y en a un pour toi. Cool, champignon. Tiens, regarde. Let's go. Je laisse nous faire un truc, je vais casser des cailloux, hein. On va casser des arbres. Chercher des cailloux. Ouais. Trop dur. La chaîne c'est trop dur, on peut pas le couper. Il y a dû être. Je peux plus le tourner. Ah si, ok, c'est comme ça. Et après? Faudrait demander à Rue s'il veut jouer. S'il a le Game Pass. Ouais, non, je crois pas qu'il l'ait, mais ouais. Il y a une seule bête qui veut mal gros. Ouf, je suis mort. Ok. Donc je regarde chez les squelettes. Non, j'ai été TP tout là. Merde. Quoi? Ah, vu qu'on n'a pas fait de lit ni rien encore.
Bah j'ai réapparu à loin. Tu veux que je ping? Non, je sais où on est, mais... J'y arrive, quoi. Ok, bah la nuit, c'est pas accueilli, on dit, ok. Vache. J'ai mis une petite maison sur la carte. Ça marche. Il me faut du bois. Oh, il y a un vilain squelette là-bas. Oh non, il m'a vu. Pipo, il m'a vu. Mais il fait mal, attention. C'est bon. Je suis en sécurité. Nickel. J'ai couru me mettre dessus, la petite porte. Ah non, il tape le truc. Il essaie de tout casser, Bibou. Tsun, on se fait des armes. En fait, je crois qu'on est parti loin. On aurait dû rester au début pour faire. Oui. On a voulu explorer un peu vite. Bon, bah, si tu reviens au campement, tu croiseras peut-être Alfredo le Scoletto. C'est lui qui va te tuer. Hein. Il fait hyper mal. Air de se barrer. Il est parti. Ok. Je vais m'asseoir ici en attendant le jour. T'arrives toi? Ouais, je suis à côté du camp. On s'est chaud quand même. Ouais, je te vois. Fais attention à ce que tu es là-bas. Je le vois. Il y a une petite bête qui te poursuivait. Ouais. Ah, c'est vrai qu'à défaut d'avoir une arme, pour le moment, t'as pas avec la hache, c'est pas mal, hein. Jour 2, on n'est pas mort. Pour l'instant. Vas-y, toi t'es mort. Oui, je suis mort. Moi je me suis caché. Eh, donc y'a pas tapé quelqu'un qui est en train de couper un arbre et après on t'en fout pas lâchement. Oh non, y'a un squelettos. Au secours, Pepo! Attention à ta... On se bloquait pas dans la salle, là. C'était lui, requiert un toit. Il faut faire une maison autour des maisons. Oui, mais c'est ce que je voulais faire, mais j'avais pas de bois. Ah. Manque de la pierre. Manque de pierre. Ça ne sert à rien. Pepo, j'ai trouvé un coffre avec plein de trucs dedans. J'ai débloqué bien de recettes, donc. Où c'est qu'il y a de la pierre dans le coin? Pipou, au secours, Pipou! Pipou! Qu'est-ce qu'il y a? Je me fais courser, Pipou! Pipou! Utilise tes mots, Popo, utilise tes mots. Localisation, où tu es, qu'est-ce que tu fais? Regarde là-bas, il arrive.
Regarde, il est là, il est là. Vas-y. Ouais. Travail d'équipe. C'est bon, maintenant je peux faire mes constructions. Puis de la viande. Ok. Je regarde un petit peu ce qu'il dit qu'il faut un toit, mais est-ce qu'il faut d'abord que je pose des trucs parce qu'on peut mettre des toits automatiques. J'essaie de voir un peu comment ça fonctionne en même temps. À l'aide. Merde, je brûle. Je sais pas ce que je fais. Je tourne à casser des arbres, du coup. Ouais, moi je sais comprendre comment ça fonctionne. Galère. Je pense une fois que tu sais comment ça fonctionne, ça va, mais. Oui, ben. Souvent dans les jeux comme ça. Tu me dis si t'as besoin de choses. Bah, faudra du bois. Ok. J'ai tué un sanglier, la hache. Et un autre. Alors par contre, il y a un de ces brouillards. Je me souviens pas avoir vu ça à la météo, moi. Il y a un coffre là-haut. Ouais.
Bah, le petit truc qu'on était caché, là, il y a un coffre. Ah, mais il faut surveiller la viande qui cuit, oh là là. Oui, oui. Du coup, j'ai fait cramer de la viande. Un arbre qui te tombe dessus peut fermer. Bon, bah, casse-toi si tu veux, mais viens pas faire genre tu veux battre et puis après tu t'enfouis, mec. Ça se fait pas dans le milieu. Oui. Et au moment que j'ai rangé ma hache, tu veux te rebattre, hein? Pipou, par contre, je suis désolée, mais c'est toi qui t'occuperas de cuire la viande. Oui, ça marche. J'ai fait cuire de la viande, c'est devenu du charbon. Waouh. Je sais pas ce que j'ai fait. Bah, du charbon. Oui, mais je voulais pas ça, moi. On a un truc de réparation ou pas? Je crois pas. Parce que j'ai deux haches qui sont cassées, moi. Je vais regarder dans les recettes. Est-ce marqué qu'il faut un établi de réparation de niveau 1? Je regarde. Attends. J'ai pas l'impression que je peux faire ça. Oh, pour tout de suite, alors. Il y a des bibiches. Mais on a une option réparée avec le marteau, mais c'est pas pour réparer les outils, je pense. Ouais, je pense. Je me dis peut-être avec le l'établi, mais là il faut d'abord que je fasse un toit. Mais dès que t'as de. Voilà, je vais. J'en ai plein du bois. Je te l'apporte maintenant. Comment c'est fait? Je vais pas forcément faire un truc énorme, mais j'ai pas envie de faire un truc où on a le toit qui nous arrive au niveau de la tête, quoi. Il y a 6 pièces d'or et un petit tas de plumes dans le coffre. Ah, t'as réussi à l'avoir ? Bah, je l'ai pas pris, mais je suis sauté à côté, quoi. Tiens. De toute façon, après, je vais construire un coffre dès qu'on peut. Merci. De rien. Bah, si jamais dans le coffre qu'il y a là, on peut stocker des affaires. Hein. Ouais, mais pour le moment... Ok, là, il dit que l'établi est trop exposé, donc faut que je fasse un truc autour. Il y a un petit mouche qui court autour de moi, mais il m'attaque pas. Ouais, ils ont peur méchant.
Ouais, la première fois que j'en ai vu un, il m'a attaqué. Ah, bon bah peut-être certains sont méchants. Ça dépend un peu de leur envie, je pense. Oui. Parce qu'on est toujours trop exposé. Ah, c'est bon, Pipon. Petit à table de fabrication. Ça c'est cool. Les arbres en tombant peuvent détruire d'autres arbres. Oh. Non, je crois. Ça n'est qu'une seule fois pour l'instant. C'est moche. Hop, une de plus. Alors je vais regarder si qu'est-ce que je peux te faire d'intéressant. On pourra faire un arc, une houe, un bouclier en bois. Un pantalon pourra se faire aussi, ça sera bien. Une lance en silex, ça pourrait être utile. Un bâton pour taper. Pour moi, on n'a pas grand chose. Là, j'ai juste envie d'essayer de fermer notre petit coin de dodo. Ouais, ça pourrait être bien. Pour déjà se protéger. Par contre, je suis désolée hein, si c'est pas très très beau. Non, j'en fous. Je t'avoue, là, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. C'est toujours un peu la découverte. L'important c'est que ça soit efficace. Et pas cher ? Oui. Oh non, j'ai ma chaîne tout de feu. C'est dangereux ça. J'en connais une qui va vite mourir. Oui. Mmh. Ça m'arrive vite tard. C'est bien parce que j'ai un... Donc c'est vérifié, hein, le truc. Si t'as des arbres qui tombent sur notre arbre, il peut tomber. Ouais. Le souci, c'est que là, il est tombé sur un arbre qui est trop dur pour que je le coupe. Donc même au format bébuche, même au format tronche, je peux pas le découper plus, quoi. Ah. Un petit cru. Voilà. En tout cas, ça, c'est cool. Un peu les trucs, hein. Je comprends pas tout, mais. Oui. Ah, il y a qu'il y a des espèces de positionnement automatique. Ok. Faut juste chipoter à tout et ça va encore la construction, mais.
Ok. Faut juste, comme je dis, un peu chipoter à tout pour avoir le truc d'aide pour pouvoir poser des trucs. J'espère que tu kifferas la maison. Mmh, j'en suis sûr. Il y a un jeu que j'aimerais trop aussi rejouer. Mais le truc, c'est que je sais pas si c'était payant ou pas, parce que j'entends que c'était un système d'abonnement, faudrait que je revoie. C'était Final Fantasy, je crois que c'était le 14, qui est en mode multijoueur et tout, un peu comme des MMO et tout ça. Mais j'avais vraiment bien aimé l'histoire et tout ça. Ok. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que c'était un truc où genre il fallait, un peu comme à Dofus, tu vois, s'abonner pour pouvoir jouer. Jusqu'à un certain niveau c'était peut-être gratuit, mais je me dis ça pourrait aussi peut-être te plaire. Après, pas forcément le crafting, mais il y a pas mal de trucs avec des classes et tout ça, des quêtes. Tu vois, Pipou, on a une super maison. Non, c'est faux, c'est juste une maison. Le super, c'est clairement absolument pas le mot qu'il faut utiliser, quoi. Ouais, t'inquiète. Disons qu'elle a le mérite d'exister, quoi. Oui. Parce qu'elle est déjà bien. Donc j'ai fait un toit hyper chelou. En tout cas, tout le bois que tu m'as donné, c'est bien utile. J'en ai encore plus dans les poches. Comment je fais pour le mettre à côté, lui? Comme ça. T'as trop mangé? Non, j'ai mouru. J'ai plus rien faire. Hein. Pourquoi t'as... Parce que t'as trop de trucs? Je sais pas. Red. Viens vers moi. J'essaie de me retrouver dans la forêt. Ouais, je suis empoisonné, je peux plus rien faire. Par où? J'ai plus de mana. Là, j'ai mis la petite lopiette. Viens. Mais la forêt c'est vaste. Viens, je te ping. Tu l'as là? Tiens, prends-moi ça. Oh, je peux plus bouger. C'est bon, ok. J'étais trop encombré. Oh, super, non, c'est moi qui suis encombré. Donne-moi les trucs. Non, t'inquiète, ça va. Ah oui, non, mais du coup, ça prend ton endurance. Mais oui, c'est pour ça, donne-moi les trucs. Faut jamais être trop encombré. Donne-moi un stack de bois là. Attends, comment on fait? C'est bon, on y va. Ouf. Dangereux ça.
Ok, c'est lui chez nous. Deuxième pipou, t'es prêt? Je vais mettre le premier coffre. Nickel. Comment on fait pour passer le niveau de l'établi au niveau 2? Dormez dans votre lit pour vous réveiller le matin en débordant d'énergie. Améliorez aussi votre maison en y ajoutant des coffres pour y stocker vos objets. Il vaut mieux toujours avoir de l'équipement en plus, au cas où il vous arriverait quelque chose pendant que vous êtes en pleine exploration. Oh, super. Le lit requiert un toit. On fait un toit vite fait, là. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais j'avais plus de bois. Ok, t'en veux plus? Bah là, pour le moment, ça va. Ok. Par contre, je crois qu'on essaye de nous bouler dehors. Ouais, ça m'étonne même pas. Il faut un deuxième lit, je pense. Oui, il en faudra un deuxième, oui. Ouais. Là, je peux te faire des tas de bois. Tiens, je te fais un tas de bois pour plus tard. Comment ça marche par contre? Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Moi. Ah, okay. Là, je te mets des choses dans le coffre. Je veux des petites bébêtes d'or. Oui. Faites mon père, s'il vous plaît. De toute façon, on vous l'a dit, vous ne viendrez pas chez nous. Non, pas tout de suite, en tout cas. Bon, jamais. Je compte pas être. Demain, peut-être. Moi. Je vais faire une hache en silex maintenant. Oh, je peux réparer des objets, popote. Genre ta hache? Ou juste les murs? Non, genre les haches. Non, établi. Let's go. Ouais, let's go. Ah, je peux pas réparer la torche par contre. Pour du jeu, le plancher il est vraiment pas bien mis en mer. Oui, bah écoute. Mais il y a un toit. Oh, nickel. J'ai 7 haches. Toi, t'as bien écouté le conseil de Maître Corbeau qui disait qu'il fallait toujours plus d'équipement. Oui, exactement. Est-ce que t'as du silex sur toi, Poupoute? Ouais, non, pas pour tout de suite, en fait. C'est bon. Parce que maintenant, on peut crafter des haches en silex.
Je tourne casser bûche. Ouais. T'as donné tout ce que t'avais? Ouais, j'ai tout posé. J'ai un peu peur. En même temps, tu sors comme ça en pleine nuit. Ouais, j'avoue. Je fais ça pour la boîte, au bout. Seuls les plus braves font ça. Et toi? Toi, t'es la plus brave des braves. Je crois pas. Ça m'a fait peur, ce truc. De sauvegarde? Ouais. Oh non, il y a ma bébuche qui... Ah, je te vois courir au loin. Mon tronc, il roule dans la montagne. Non. Bon, bah, j'espère qu'il y aura personne en dessous. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Il y a un méchant. Oh non, mon marteau, il est cassé. Je peux le réparer. Comment? Tu vas dans l'établi. Ah oui, il faut à droite, je... Ah oui, non, j'ai trouvé. C'est bon. Let's go. Nom d'un bon pleumousse. Par contre, je suis désolée, j'ai pas très bien mis mon... Le truc, comment... Il y a une petite échelle là pour monter, et elle n'est pas forcément oui, super bien mise, désolé. Actuellement, je suis en train d'essayer de comprendre comment bien mettre les trucs. Disons que j'ai fait au mieux pour rentabiliser l'espace qu'on avait aussi. Par contre, ils disent le lit requiert un toit, mais j'ai fait un toit. Donc ça, je comprends pas. C'est là, je suis à deux doigts de mettre juste un toit dessus, dis quoi. Je peux essayer de venir en voir, mais bon. Si t'as pas réussi, je sais pas pourquoi j'y arriverai, moi. Non, mais c'est pas grave, je vais... Je vais mettre un petit lit juste au-dessus du toit. Ça va être ridicule, mais... Parce que ton toit, il est pas fermé, popote. Il y a un trou dans ton toit. Et voilà. Ça fonctionne. Mm-hmm. Tu peux en faire un 10, s'il te plaît. Ouais, tu sais si on peut déplacer un objet. Je saurais pas te dire ça. Je pense. Par contre, il y a masse de fumée chez nous là. Ouais, je me dis le feu, faudrait peut-être le mettre à l'extérieur. Oui. Peut-être, hein. Attends, je vais te fermer la porte, c'est pas grave. Oh, les méchants qui veulent un gros comme ça. Hein. On dirait un fumoir, en un coup on dit. Un séchoir ton truc là. On va mourir tout seul. Mais oui. T'inquiète, j'ai un super plan.
Si t'as l'occasion, voudrais un peu de pierre aussi. Ok. Ça, j'ai pas réussi à trouver comment c'est une pioche. Ils ont été établis au niveau de... Ouais, je sais, je suis trop forte. Ouais, bravo. Pipo, il faut du bois. Il y en a dans le coffre ? Ouais, peut-être. Ah ouais, trop bien. Désolé, je cours parce que j'ai deux squelettes au cul. Ils ont pas non plus hyper hyper agréable quoi. Je suis en train de regarder, y a pas des raccourcis rapides pour transférer ? Y a des trucs pour transférer comme ça mais... Si, sûrement. J'ai pas trouvé comme ça. Je les ai pour genre prendre des trucs mais pour déposer j'ai pas vu. Quand on aura assez de cuir, j'aimerais bien essayer de me faire un pantalon. On s'y met les squelettes au-dessus. Par contre, je suis désolé, il y a un lit qui a l'air de flotter un peu, mais... C'est pas grave, ça. Je t'ai fait un lit pipou, faudra juste que tu viennes le save. Ok, nickel. Par contre, je suis désolé, mais il y a des toits à l'intérieur des toits, de la maison à l'intérieur de... Ouais, voilà. Donc c'est fonctionnel. Fonctionnel, ça l'est. Chelou, aussi. Oui, pas très grave. T'as pas de bottes cuir sur toi hein? Un peu, pourquoi? Parce que j'aimerais me crafter des trucs. Un pantalon? Non, un arc surtout. T'aurais pas mourir. Tiens, je te remets un peu de bois dans le coffre et un peu de pierre aussi. Là, c'est cool. Charbon. Il serait que t'as crafté ça. Bio. Il sert à quoi le bio ? Quoi ? Il sert à quoi le bio que t'as crafté ? Quel bio ? Toi, t'as crafté un bio. Ah, c'est pour passer l'étape du niveau 2. Ah, d'accord. Donc là, je peux améliorer les trucs. Il faut des pierres. Attends. Je récupère ça. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est plus facile de faire ça, en fait. Est-ce que tu veux des haches en pierre ? Ça peut être utile, ouais.
Tiens, viens, je vais t'en donner. Putain, je connais le village en même temps. Tiens, tiens, et tiens. Ah non, mais j'ai assez, hein. Ouais, bah au moins tu pourras couper plein de trucs. Ok. C'est pas ça que je veux. Ça. T'as besoin de quoi maintenant? Bah, pour le moment, pas grand chose en vrai, parce qu'on a pas débloqué encore beaucoup de trucs. Moi, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on casse du caillou. On va faire des pioches? Ouais, j'ai pas trouvé en tout cas. Une petite barrière autour de notre feu pour pas qu'on vienne nous y embêter. Parce que les petits monstres, l'autre fois, ils essayaient de casser le feu. Donc, okay. On les connaît, les petits filous. C'est toujours utile qu'on faisait des barrières dans ce genre de jeu. Ok, c'est pas ce que ça que je voulais, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un donjon. Tu vas aller donjonter. Non, je pense pas qu'on ait le niveau, mais quand même, on sait ici un donjon. Nickel. J'ai créé la meilleure barrière du monde. Hein. Hyper bon niveau, lui. Putain, c'est bon. Qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Bienvenue dans les tutos de Sun Sun. Comment faire des trucs qui ressemblent à rien? J'ai hâte d'avoir l'épisode 2. Bah là, on est déjà à l'épisode 2. Hein. L'épisode 1, c'était la maison en fumoir. Ça, t'as fait quoi du coup? Là, j'ai fait un petit ponton pour pouvoir aller au feu directement. Ok. Entouré par des barrières pour essayer de se protéger quand on va cuisiner. Bah, on l'est. Parce que bon, on les connaît, hein, les petits filoulous là qui veulent nous attaquer. Je fous le feu à moi-même. Oh, quelle joie de brûler.
Mais voilà, Pipo. J'espère que tu m'attribueras une bonne note. Oui. Dès que j'aurai fini de tuer les méchants qui veulent me tuer, je reviendrai voir ça. Et un endroit où on voit les objectifs. Ah, Pipo, je crois qu'on peut... Attends, tu me vois là pour la carte, non? Sur la carte, tu me vois, non? Oui, je te vois. Ah oui, est-ce qu'on peut activer... Comment tu fais? Quand tu ouvres la carte, t'as un truc en bas à droite. Ah, visible pas d'autre choix. Ouais. Oui, on est teuteux, non? Ouais, possiblement, si les méchants, ils arrivent à passer de l'autre côté, peut-être qu'ils pourront rentrer chez nous. Mais normalement, c'est vrai. Ouais, bah ça, hein. Ça, je tiens, les méchants, ils me donnent un truc trop bizarre. Je le rapporte. Oh, Pipo, je vais à la chasse. Hein. Ça marche. T'avais bien enregistré ton lit. Hein. Ouais, c'est bon. J'aime trop couper des arbres et que ça te fasse tout tomber en série. Hein. C'est trop ouf. Hein. Je veux pas chasser la bibiche, elle est trop vive. C'est difficile la bibiche. J'espère que t'as les clés de la maison, hein, parce que si jamais moi je suis pas là quand tu reviens... Ah, je reviens dehors, hein. Alors. T'es de la vie de brigand. Aïe, aïe, aïe. Et bah tu vois, c'est dans ce genre d'occasion que ça tombe bien que j'ai un petit ponton. Dans le milieu, on l'appelle le ponton de service. Ah. Hop, il y a plein de petites framboises ici. Toujours prendre la nourriture quand on en croise parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on en trouvera. C'est la règle numéro 1 de la survie. C'est vrai, je connais moi les règles de survie. Ça, c'est bon, y a un ponton. Là où l'herbe croît et où le ciel est bleu, il y aura toujours un foyer et un toit. On rentre dans ton truc là. Il y a eu le portail. Quel portail? Pour entrer dans ton enclos. Il n'y en a pas? Pas en mettre un, mais je peux pas sauter au-dessus. Oui. Parce que le but c'était que ça soit le moins facilement atteignable par les vilains. Est-ce que quand je découvre de la map, ça se découvre chez toi aussi? Attends, je vais dire ça bientôt.
Puis ma village. Et quand on meurt, on perd tout ? Non, ça découvre pas chez toi. Non, on perd rien. Il faut retourner chercher son cœur, quoi, mais... Et bah c'est ça, on perd. Oui. Il a indiqué sur la map, donc c'est pas très long. Oui, mais bon, je veux dire. Ouais. Oh, j'ai tapé dans le cul d'un cerf. Oh, bien joué. Reviens. Il est presque mort. Il est presque mort. Il faut juste qu'il revienne une fois près de moi et que je le tape. Il est mort. Ah, mais non, mais reviens, il reste un pixel de vie là. Ah non, il a fait demi-tour, il a fait demi-tour. T'inquiète, continue à le suivre, tu n'iras pas là-bas. Genre, il peut pas mourir d'épuisement. Là, franchement, il reste rien du tout comme vie quoi. Ah non, il était trop loin, je l'ai pas eu. J'essaie d'anticiper ses mouvements. J'aurais besoin d'un compagnon de chasse. Reviens. Ah, quand tu t'approches d'un coffre, pote, tu maintiens la touche qui te sert à l'ouvrir. Et moi, ça transfère directement tout ce qui reste stacké dedans. Oh. Pratique. Mais d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Putain. Ouais, j'ai pas envie d'abandonner. Oh, je l'ai achevé à main nue en plus. Oh, trop fort. Attends, c'est que ça m'a ouvert un menu là. Du coup, genre que je suis en train de me battre. Du coup, j'ai pas fait attention. T'as débloqué plein de nouveaux trucs aussi ? Non. Non ? Non. Oh. Bah attends, peut-être que si je te les apporte et que tu les as près de toi ou en main, ça te... Parce que oui. Moi j'ai débloqué plein de trucs avec de la peau de cerf. Je les ai déjà, c'est pour ça. Ah ! Même pas ça partage les bons tips, quoi. Ouais, non, je t'ai pas rentré encore. Ben, je vais me faire de nouveaux amis avec les squelettes, moi. Non, tu veux pas. Je suis perdu. Ah, Pipou est perdu. Il faut 10 bois et 8 bois de cuir pour ça. Sunsen retour maison. Ça va. Oh, c'est quoi là-bas? Pourquoi ça brille? Mmh. Ah, c'est les trucs que t'as pas ramassé. Ouais. C'est ton corps là-bas? Moi, je suis jamais morte, hein. Non, c'est bon. Il y a la nuit, on dort? Oui, j'arrive. J'essaie de rejoindre la maison. Ah, mais du coup, il n'y a plus de feu à l'intérieur pour poutre. Comment on fait? Bah, on dort. Oui, mais parce qu'on a froid. Bah, oui, mais c'est toi qui voulais pas que ce soit un enfumoir. Oui, c'est vrai. Mais attends, comment c'est du coup? Meuble. Ah bah tu vois qu'il faut un feu à l'intérieur. Bon bah je vais refaire un feu. J'ai pas de pierre, t'as de la pierre? Non. Bon, là dans le coffre, il y en a. Tu peux m'en donner? Ah oui, si tu te sers dans le coffre. Hein. Oh oui, c'est parce que comme j'ai l'objet qui est prêt, merci. Parce que, en fait, comme j'ai l'objet qui est déjà sélectionné, ça fonctionnera pas. Mmh. Hop, moi je dors. Ça sera un enfumoir. Hein. Oui, bon. Sorry, mais
Ah, c'est pas très grave encore. Vous vous sentez reposé? Bon, mission du jour, taper la bibiche. La bibiche. Taper du sanglier. Il faut du cuir. Ça y est, puis bouge mon pantalon. Ok, nickel. Il fait quoi? Plus froid les fesses. Il fait... Tiens, il un choix. Je sais pas. T'as des points en armure pour le moment. C'est pas... Ok. Ouais, bah c'est cool. Ah, on peut faire une cape en peau de serre. J'ai mis mon morceau de serre dans le coffre, hein, s'il faut. Comment ça, ton morceau de serre? Ma peau de serre, je l'ai mise dans le coffre. Voilà, ce qui serait bien, c'est de chasser pour se faire une belle tenue et tout. Ouais. Et il faut des fragments d'os aussi. Il y en a dans le coffre aussi. Oui, mais on en a pas assez. Ok. Quoi? Non, il y a une maison où il y a un méchant. Enfin, j'ai ouvert la porte et il y avait un méchant dedans. Du coup, j'ai refermé la porte, je me suis tiré. Mm-hmm. Du coup, si tu vois une maison, il y a un méchant dedans, faut pas y aller. Bordel, mais un squelette. Ouais, c'est se taper entre eux. Là, c'est bien parce que les squelettes tapent les nains gris. Let's go. Du coup, il suffit de ramasser le résultat. J'aimerais bien savoir qu'on peut décomposer des tas et des trucs comme ça. Ça va se marquer sur ton écran, hein, tous les tutos. C'est vrai. Je pense pas assez à regarder en bas, c'est pas très intuitif. Enfin, c'est écrit, ouais. Donc ça devrait être intuitif, mais je sais pas, c'est pas... Ouais, parce qu'on est pas habitué à ça, mais... J'en ai marre de moi, Pipo. Ça fait. J'essaie de faire cuire de la viande, mais à chaque fois, ça devient du charbon. Ah, ouais, pourtant t'entends quand ça passe pas charbon. Quoi? Tu entends quand ça change d'état, normalement? Bah non, parce que dès que ça fait pshh, j'approche, et c'est du charbon. Ouais, moi c'est que c'est, il faut aller au pchit d'avant. Tu fais un pchit de retard, toi. Là, ça a fait pchit. Ah, c'est bon. Je suis fier de moi. Oh, pourquoi toi? Du coup, j'ai mis un... mon coffre. Près de... Près du petit coffre de nourriture, là. Enfin, près du feu. Pour vous faire manger, comme ça serait... On va dire que c'est la cuisine. Après, on peut très bien refaire ça aussi à l'intérieur, mais je me dis, la maison est pas non plus hyper grande, alors... Ouais. Okay. Puis il fait bon, autant faire un barbecue, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, que je viens de tuer un paquet de trucs, là. Wesh.
Moi, je pars à l'aventure. Si je reviens pas, bah... Oui, faut que j'aille te chercher. Oh, trop bien, je crois qu'il y a des abeilles ici, je vais les couver. Du coup, le nain gris s'est tapé les deux squelettes, donc j'ai récupéré le truc de squelette en plus. Et moi, j'ai pu tuer le nain gris parce qu'il restait très peu de PV, il y avait un coffre où il y avait quelques trucs à l'intérieur, des pièces et tout. Plus des bibiches qui ont gentiment donné leur vie. Ça fait plaisir. Il y a un endroit où on voit sa vie. C'est le petit machin rouge. Ouais, en bas à gauche. Ah d'accord, bah je vais mourir là. Bah mange. En vrai, tu manges pas. Faut que j'ai envie de découvrir le monde. Bah là, ça coûte rien de manger. Hein. Si. D'accord. Je voulais voir c'était quoi la mort une fois. Ouais, mais attends, il y a une petite baraque en dessous de chez nous, en effet. Allez voir. Je vais aller reposer. Tout mon stuff. Coucou. Ah, bonjour. Hop. Bon, je vais récupérer mon corps. Récupérer ça. Coucou cadavre. Je retourne me battre. C'est pas fini, Pipo. Viens m'aider, Pipo. Tu te tapes là? Ouais, je vais essayer de le casser. Il y a des abeilles en bas. Elles m'ont tué, du coup, je réclame vengeance. Ok. Pourquoi pas? Elles sont de bois. Oh, c'est bon, je me cache, je vais encore mourir. Mmh. Il est nul mon perso, il saute n'importe quand et RTB. Mais non. Non, parce que quand je range mon arme, j'ai pas l'impression de courir plus vite que quand je l'ai en main. Bah non. Oui, mais tu vois, en faisant le bouton sprinter. Du coup, en fait, j'arrive pas à sprinter. Je comprends pas. T'as juste à appuyer une fois, hein. Pas à maintenir appuyé. Oui, mais quand tu cours, ça range son arme automatiquement. Non. Bah moi, si. Bah, non, c'est pas le bouton sprinter, alors. Ah non, c'est ça le bouton sprinter, d'accord. Je viens de dévoiler le bouton sprinter. Okay. C'est tellement pas intuitif ce bouton-là, c'est quasiment jamais ça. Ah, je viens de débloquer la compétence courir. Tu peux... tu peux le changer, ça. Comme quoi, tu n'es pas perdu pour moi. Eh oui. Je mets de la bidoche cuite dans le coffre. Si ouais. Tu en veux, t'hésites pas à te servir. Moi, je cours. Ça marche.
Ah, c'est plus facile pour tuer les sangliers quand on peut les forcer. Hein. Oui. C'est plus facile pour tuer tout le monde quand on peut les forcer. Hein. Découvre un nouveau monde de joie et de plaisir et d'amour et d'eau fraîche. Mmh. Toi, tu vas être niveau 100 en course, là. Moi, je viens de découvrir un niveau 1, quoi. Je suis niveau 12. Je suis niveau combien dans tous mes trucs, moi? Attends, où est-ce qu'on voit ça déjà? Tu fais inventaire et compétence. Tu cliques sur compétences. Mon plus haut niveau, c'est le niveau 7 en saut. Moi, je suis que niveau 5, moi. Moi, je saute tout le temps. Mmh. De la bagarre. Et tu les abeilles pour brut. Tu les as tués? Je sais pas. J'arrive pas. Hein. J'y arrive, tant mieux. Hein. Moi, elle m'empoisonnait et puis. Non, en fait, c'est une ruche que j'ai tuée. Oui, c'est ça, c'est la ruche. Ouais, mais du coup, je me suis fait un arc. Pour pouvoir les tuer de loin. Ah oui. Et du coup, la reine Isabelle, elle s'est endormie dehors, la pauvre. Du coup, je l'ai récupérée, je l'ai mise dans mes poches. Tu veux une reine des abeilles? Non, j'aime pas ça. J'aime pas les insectes, du coup. Ouais, mais elle est gentille, elle. Non. Elle fait genre. Non. Dès que t'auras le dos tourné, elle ira te piquer. Je vais la cramer au cas où. Yes. Je suis en train de botter plein de sangliottes. Ouais, c'est ce que j'ai demandé, si c'est toi qui t'es en train de te taper. Ouais, je me tape des sangliers. T'es où, Coucoute? Je te vois courir au loin. T'as besoin d'un coup de main? Non. Ok. Bah, pour le moment, je sais pas, je tape et je ramasse ce que je trouve pour. Juste pour qu'on ait des réserves de framboises. Des trucs comme ça, mais. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas vraiment de but. Ah! Y'a le corbeau qui est là. Ah, c'est un donjon, c'est ce que tu parlais. Peut-être, oui. J'ai envie d'aller dedans. Ah! Ah bah, j'ai envie d'aller dedans, faut pas exprès. Nickel. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Ah! Parce que je m'attendais pas du tout à entendre ce bruit. Il y a des squelettes dedans. Ah bon? Du coup, c'est bien parce qu'on a besoin d'os. Oui, et puis on a besoin de te garder en vie, surtout pour Popota. T'aurais que tu meurs. La Pipo, j'ai plus mon stuff. Ah, t'es morte? Ah, c'était quoi ce A à ton avis? Ouais, du coup. T'as plus ton stuff. Mais là, mon corps, pourquoi est-ce qu'il est indiqué là sur la carte, mon corps? C'est ton... Peut-être qu'ils t'ont mis ton stuff ailleurs. Faut que tu galères trop. Non, mais j'ai deux cadavres sur la carte. Ah. Ouais, mais... Il faut le supprimer manuellement, je crois.
Ouais, de fait, il veut quoi, lui? C'est vrai, oui. C'est embêtant, ces nanagris, là. Mais des fois, ils sont gentils, parfois pas. Et surtout, ils ont trop cru qu'on était leurs potes, en fait. Des fois, ils courent vers toi et tout. Hein. Oui. Putain, je me fais tellement peur. Je vais chercher mon corps. J'ai cru que t'étais un dinguerie. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Peut-être juste remourir encore une fois. Tu veux que je vienne ? Non. C'est pas un sacrifice que tu dois porter. Non, c'est pas. Je vais condamner l'accès à cet endroit. Oui. Je vais pas courir ce fantôme. Oh, trop bien, il y a du parcours ici. Mais genre, ça marche. Pardon. Je te garde ton corps au chaud. Hein. Tu peux pas ramener mes affaires? Si, mais j'ai les poches pleines. Super. Je peux essayer, mais t'as beaucoup de choses ou pas? Ah oui, t'as trop de choses. Tu peux pas compter sur son amoureux, je prends note. Mais attends, je ramène tout. Ah non, mais. Je puisse. T'as dit que tu pouvais pas. Mais t'inquiète. Pas cette place. Non, mais t'inquiète, je vais les ramasser. Tu gardes mes vêtements là. Super. Hey, hey. T'as vu, j'ai été hyper utile. Non, du coup, faut que je te rende le reste. Voilà, je crois que c'est à peu près bon. Non, mon pantalon. Mon haut. Et je t'ai donné. Mon haut. Ah non, pardon. Qui voyeur. Je t'ai donné, mais je l'ai ramassé direct. Ah non. Qui voyeur, On va rentrer à la maison et puis dodo. Je vais être là pour aujourd'hui, moi. Pourquoi j'ai deux marteaux? Tu m'as refait tes crasses, toi. Oui, j'ai peut-être. Je t'ai donné un marteau supérieur. Si c'est grave, tu me donnes tous les trucs.
Tu fermes pas la porte. Ah, bah non. La porte est ouverte. On va se réveiller, il y aura plein de dingueries qui squatteront. La fumée vous empêche de dormir. Quoi ? La fumée, il y a trop de fumée. Non, ça va. Bon, j'ai été intoxiqué. Ça m'a dit, je sais pas trop ce que ça m'a dit, mais en gros, trop de fumée. Je pense qu'il faut faire un trou quelque part. Ah, tu brûles. Bon, non. On se regarde ? J'ai qu'une impression, hein. Est-ce qu'on brûle vraiment ? Un peu. Allez, déconnexion. Je vais quitter le jeu vite fait.